Bonjour les nounous. Toutes. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le présent. Sur le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Aujourd'hui, on a compris quelque chose de super important. D'accord? On a compris. Bonjour. On a compris que on avait le choix. Ça veut dire quoi le choix? Ça veut pas dire faire un choix si on prend du bleu ou du rose, du jaune ou du mauve, du vert ou de l'orange. Ça veut dire que chaque seconde, on a l'opportunité d'être heureux comment et comment on peut être heureux chaque seconde. De façon extrêmement simple, en choisissant l'amour. Voilà. C'est-à-dire que chaque seconde, on a la possibilité de regarder dans sa poche, de dire c'est bien rempli, c'est très rempli, c'est de faire des tas de vacheries ou pas, ou d'être très généreux ou pas. D'avoir, on dit la générosité c'est la main de Dieu, c'est vrai. Chaque seconde on a le choix de l'amour, on a le choix de la gratitude, chaque seconde. Et quand on vit dans l'instant avec un cœur rempli d'émerveillement et d'allégresse et de reconnaissance et de... Alors évidemment vous allez me dire, ah ouais là en pleine forêt... À midi, on peut être qu'heureux, c'est vrai. N'oubliez jamais quelque chose. J'ai choisi la meilleure part, elle ne me sera pas ôtée. Parole du Seigneur, parole de, tu as choisi la meilleure part, elle a choisi la meilleure part, elle ne sera pas ôtée. Parole du Seigneur, en parlant de Marthe et Marie. Marie, sœur de Marthe. Et non pas Sainte Marie, Marie, sœur de Marthe, deux très très proches et très bonnes amies de Jésus. Et l'une est au fourneau et l'autre est à genoux, liée d'amour, assise à côté du Christ, qui lui parle et qui l'éveille, qui illumine son cœur. Elle est donc extrêmement heureuse. Marthe se rend compte de ça. Marthe épluche les patates. Dans la cuisine, elle est au fourneau et aux corvées et elle se plaint. Elle se plaint pourquoi? Elle se plaint parce que elle ressent une joie profonde de sa sœur à l'écoute du Seigneur. Elle voit le bonheur extraordinaire sur son visage et au lieu d'être reconnaissante, finalement, devrait à une œuvre culinaire avec amour et rendre hommage au Seigneur et lui, le remercier. Elle n'est pas donc dans l'instant présent, elle n'est donc pas dans la gratitude et dans le service, ce qui est d'ailleurs le propos d'un deuxième sujet que je vais vous faire tout de suite au lieu de le faire dans une deuxième vidéo. Le deuxième sujet, c'est que on vous dit sortez de la ligne de confort. Sortez de votre ligne de confort, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire aller faire du saut à l'élastique au Pérou, de sortir de sa zone de confort. Ça veut pas dire de se jeter dans la rue, surtout en Occident. Ça veut pas dire ça du tout. Sortir de sa ligne de confort, ça veut dire être capable, par exemple là, d'avoir cuisiné un gratin de ce que vous voulez, très bon. Et au lieu de se l'enfiler à deux, trois sur le canapé, ou tout seul, ou quoi que ce soit, on sort de chez soi et on en donne la moitié, parce qu'un gratin, ou une bonne ceci, cela, ce que vous voulez, il y en a toujours, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre, quand il y en a pour quatre, il y en a pour huit. On sort de sa zone de confort, on partage la moitié de son plat, on va chez les voisins donner un morceau de gâteau, on va chez les voisins donner
non pas une tarte, mais un bon bol de soupe. Quand on a un petit mamie, une petite mamie, qu'on a fait un bon potage de légumes, on lui donne un Tupperware, on partage. Et là, c'est ça, sortir de sa ligne de confort, ça veut dire penser aux autres et choisir le partage plutôt que de rester confortablement assis comme un prout sur son canapé après avoir mangé une nourriture donc inappropriée, c'est-à-dire lourde, de bière, de saucisses, de tout un tas de cochonneries. On se nourrit sainement et là, on a envie de vivre. Doucement. Voilà. Voilà ce que c'est que le bonheur et l'amour. C'est que chaque instant, il y a quelque chose de sublime à regarder. Que chaque instant, il y a quelque chose de sublime à faire. Et que dans ce sublime de l'instant présent,